années, aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuses années, aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuses années, quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuses années, bien sûr à tous ceux qui souffrent, espèrent et croient toujours. Découragés par les tristesses de certaines heures, les impératifs brutaux qui posent les luttes sauvages de notre temps. Les guerres, les luttes, les compétitions de quelque ordre que ce soit ne sont jamais idylliques. Recherchons toujours l'essentiel, observons pour voir si ça bouge, si l'humanisme se développe, s'enrichit, se débarrasse de sa scolle. Heureuses années aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuses années aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuses années à tous mes frères, mes amis, mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la joie et le sentiment du devoir accompli. Ne passons pas de l'admiration béate et laudative à la négation pure et simple, d'un extrême à l'autre dans un perpétuel chassé-croisé. Depuis des millénaires, nous sommes liés à la même GN, avec des hommes encore plus imparfaits que nous le sommes aujourd'hui. L'humanité a indiscutablement avancé. Ce sont des hommes imparfaits qui transformeront la vie sur la planète Terre. Aucun ange ne descendra du ciel pour le faire à notre place. C'est le moins parfait qui donne le jour au plus parfait. C'est le moins parfait qui donne le jour au plus parfait. Ayons confiance un peu plus en l'homme de partout, c'est-à-dire à nous-mêmes, et que cela se traduise dans nos actes comme dans nos œuvres. C'est à l'épreuve du feu que l'on mesure la valeur d'un homme. Je dois dire que cette année écoulée nous a permis de mieux connaître ce qui nous entourait. Cette année a apporté joie, il y en a eu de nombreuses sur la planète, et aussi tristesse amère, et aussi tristesse amère. Heureuses années aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuses années aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuses années quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuses années bien sûr à tous ceux qui souffrent, espèrent et croient toujours. À l'adresse de mes amis, de mes camarades de tous les horizons, de tous les compagnons du spirituel et de tous les hommes de bonne volonté, je me permets de formuler ce triple vœu. Deux fils d'une race et de pays qui ont beaucoup souffert et beaucoup lutté, par un humanisme plus profond et plus quotidien, par une meilleure harmonisation des facultés humaines, par une optique plus juste et plus morale de l'homme et de la vie. Que cette année soit un rayonnement de lumière, de sourire, d'amour, de liberté, de douceur et de paix sur le plus beau visage que nous connaissons dans l'univers, le visage de l'homme. Cette année peut être une grande année de l'appel amour humain, de l'appel amour humain.